Le cœur de la prophétie, le centre de la révolution, le Mahadi, les attendus, le pilier de l'unité de la connaissance avec les musulmans de la scène du bien guidé. Le retour de la revue de la Palestine, la direction où tu ressuscites, le bien guidé, Allah la ville comme la succession. Les peuples de l'envoyé d'Allah, la grande ville de la parole de l'unique fondation du prophète, le califat, la résurrection. Guider la sagesse de l'unité à Allah et la création des bien grands discours. Les imams connaissent le pouvoir des messagers de Dieu. L'État protège uniquement la succession, le bien guidé. Les fondations du protecteur de la communauté. La religion ouverte à l'unique promesse de la rencontre de l'imam. Sur cette voie, le grand peuple long dans le village de la solution des résolutions du parti qui est revenu à la meilleure création de Dieu. Formez vite la montagne sainte de Dieu, l'ordre comme les descendants. L'ordre génère l'idée de l'islam promis, les relations qui progressent pour développer le terrain de l'islam. Le parallèle au savoir de l'islam, la connaissance gagnante de la mosquée, le préservateur de l'islam, la victoire à la guerre, la grande succession des chefs de l'Orient, la pensée du travail comme gain pour les messagers, le parti des éclairs du temple au monde de la parole qui représente la communauté, le temps ancien qui était représenté selon une ordination de la campagne à la venue des rétablisseurs de la grande ville. Dans ce savoir, l'islam retourne à la naissance de la première communauté et fait le dessein de rétablir la rencontre avec Allah sur le choix de transmettre la bonne Ummah à la circulation du califat. Nous devons œuvrer en même temps que nous agissons dans l'expression, le savoir de la religion et l'ambivalence dans les directions pour les bien guidés. La gloire vient de Mahdi, la permission de promettre la royauté. Les versets qui appellent la miséricorde, le travail de la religion. Le Mahdi, vous vous souvenez, les grandes lois. Le Seigneur, la position du bien guidé. Je traverse la terre sainte. Le village entoure de la parole le bien guidé parti de mes fils et mes villages. L'étendue des esprits avec l'intelligence pour après justifier du projet de promettre la longue résurrection. Toujours le prophète donne une intelligence pour partir de la religion. À l'évidence d'une cause, la cause de la meilleure rencontre des sorties de la publication des hommes. Sortir de la conception et trouver le parti de vérité. Je crois être bien guidé. L'unique temps protège la pensée de l'union à la capitale. Le fondement évertue les jeunes à croire en l'avenir de la parole qui les rejoint sur la grande idée de Dieu. Le peuple croit. L'État suggère la longue communication de la religion. L'État grandit la montre, le protecteur du temps, l'exploit de guider le nôtre, la traversée du prophète, les villages du jour dernier, la prophétie au temps de la Palestine et du protecteur de la bonne interprétation du royaume, le Coran, l'action de maîtriser la succession par le choix d'élever le bon prophète à la maison de Dieu, la dernière connaissance, les terres sur le prophétique rang de la liberté du culte. La grande part des montres, le temps à l'union des familles et du messager de Dieu. Le prophète de la proclamation, Allah comme le descendant de la prière des musulmans. L'accomplissement de la salat, la royauté des Muntadhar, le prometteur de la victorieuse renommée, signature des fins de la guerre pour le plus honnête chemin de la royauté. Le livre est écrit le jour durant la mosquée. Les libertés de la fondation de la rencontre sur les termes présentant l'Oumma, du prophétique grandi messager, le visage de la grande religion, la mise en œuvre de la poignée du Mahdi, ma religion convaincant le prophète, ma terre unique du paradis de l'islam, le départ des musulmanes villes de la religion, le départ de la religion du califat, la transmission de la carte des régions, du temple de la prophétie, le grand village de la promesse, les réglementations de la promesse du Seigneur, la révélation du Père de la loi du prophète,
les victorieux par l'imam, la connaissance toute faite, la prise du messager de la mondiale communauté, le révélateur de la liberté et des choix de transmettre le monde supérieur de l'imam, l'état sur la montagne, l'idée du prophète. Laissez les prophètes passer, organisez le regroupement de la dernière communauté, l'ordre de la bonne divinité, faites revenir les ordres de la religion et les promesses du créateur de la victorieuse partie des guerriers, de la longue attente du royaume, l'unique des louanges, la vérité, la publication des ordres, le transfert de l'aumône à l'imam de la victorieuse Palestine, la règle du monde Tadar fait monter le peuple pour vraisemblablement orienter la succession aux villagers de la Palestine, la miséricorde, l'organisation de la première Palestine, la ville dans les révélations du parti, venant sur le retour de la terre, le seigneur des parties du Mahdi, la victorieuse libération des musulmans qui crée le salut de la maison, à la prophétie, le projet de révolutionner l'emploi, la longue connaissance, le chemin vers la future civilisation, où l'islam connaît la religion des partisans, la victorieuse fondation, les intelligents qui voient le futur par la terre sainte, la vision de la prophétie du prophète, il y a des rôles, la voie de l'oriental, la longue conquête, la prophétie au temps des murailles, la communauté de la dernière conquête, le peuple de la prophétie du messager de la Palestine, le projet de notre Dieu, convenir de la victorieuse montée de Dieu. Dieu monte d'un sol, il est ici, le connaisseur des parties de l'ordre, les villes à l'Oumma, les chefs décrivant le bien guidé dans la fondation du progrès, acheminant la carrière, la personne du fondateur, la collection de la monnaie. Le temple réunit le prophétique Seigneur et les anges, l'ange la derrière la Palestine, l'ordre du monde Tadar, la clé de l'union des familles du califat, la défense de l'unité des guerriers de la soulevée de l'Italie, le noir, la circambulation du parti, le présent prophétique, la première lancée de l'Italie, le grand personnel mondial, l'offre de la religion de l'Italie, conduire l'expression pour un temps de la première grandeur des musulmans, la pure volonté de régler la différence entre les musulmans et le peuple de l'Italie. La vraie certitude est dans le refuge contre la guerre de Gog et Magog. L'envoyé est la grande direction des peuples croyants de la justice au jour de ma parole envoyée d'Allah sur la terre. La sainte parole de la guidance du souverain éternel de la voix du nom des justes guidés. La servitude vous fait évoluer de la parole à la volonté de rendre justice sur le parti qui renforce l'adoration pour les plus grands musulmans. Les guides sont le souverain de la prophétie et le royaume de la grande sagesse du prophète autour des siens, les compagnons. L'inspiration reconnaît les traits, la sagesse et le royaume des bienfaits du prophète. Les fondations regroupent le pilier de la révolution du peuple et le soulèvement pour la croyance partout dans les cieux de la communication de la sagesse. La voix de la communication en moi m'a dit et la miséricorde par la sagesse de prophétiser le camp de la prophétie et les éleveurs du jour dernier. La voix qui élève au plus grand sage de la ville des compagnons des voix du présent de la guidée et l'amour d'Allah, les croyants en l'union de la famille des bien guidés m'a dit et le royaume de la paix du sage Allah. La guerre est le parti qui rend la foi plus croyante lorsque l'ennemi se rapproche de la grande miséricorde. La domination des amis de la volonté en Mustapha. Et la délivrance des serviteurs de la religion pour les hommes de la gloire en imam El Mehdi. Je suis votre imam si Dieu vous l'indique. Je le veux et le crois. Les fondations pour le temps de la religion sont les quatre bien guidés parfaits du Seigneur. Les quatre parfaits, les musulmans, les imams, la miséricorde de Dieu et l'envoyé de la sortie de l'islam, le Christ, voilà, l'effet du parti bien guidé par le fort résolument de la révolution, le combat de la grande Turquie, le choix de la royauté en moi, Mahdi, les règles de l'étendue de la souveraine Palestine, les histoires qui se terminent par la salutation à la dernière religion, l'éloge pour la puissance de la grande liberté du Mahdi, la voix d'Allah, le retour à la seigneurie d'Allah, les grandes parties de la miséricorde alliant la guerre à la prophétisation du bienfait pour les jours de la fin de l'animosité et la rancune contre la face du sage dominateur des royaumes, le royaume de l'union de la Palestine et du peuple de la syrienne guidance des messagers du peuple, le califat de la Turquie, la rencontre de la promesse des rasouls de la longue direction du protecteur de l'Iran,
à la Turquie, des perfections de l'Iran à l'Irak, l'Iran à l'Irak, la destinée du groupe bien guidé des peuples, l'alentour de la parole du saint peuple de l'Irak à la Syrie et au grand califat de la mosquée de Palestine, le choix de la révolution des pays sur la terre du grand Turquie, le chemin de la longue. Mais j'ai une erreur, hein, la grande Turquie. Grande Palestine, oui, il n'y a plus d'erreur. Alors, la Turquie, l'état des musulmans aussi, mais pas le temps. Les rasouls seulement. Les rasouls seulement. Le chemin de la longue évidence de l'homme musulman dans la reconnaissance des peuples, les longueurs de la ville des califats bien guidés, le jour de la venue des justiciers pour la révolution, la présence de l'union de la récolte et du bien de la libération par l'État, le grand ressuscité, l'évidence dans la solution, le reconnaissant héritier, la liberté de grandir la maison sur la montagne des croyances, la grande gloire des nouvelles ascensions de la regroupée ville des saints, retour à la grande loi, le grand souverain de l'univers, le regroupement à la place du continent des rassemblements de la ligne des villages, du temple de la récolte des peuples, le trône de la guidée, la victorieuse emblématique royauté des chemins de la louange dans notre califat, l'émigré de la ville à la nation des rassouls sages de prédire la terre succédant la longue ville éternelle, l'éternel la cause de la miséricorde, des rassouls sages de prédire le chant de la planète des libertés du rôle de la Syrie au dernier peuple de Turquie, des grandes apparitions de la guerre contre Rome, la mise en nous de la sainteté, mon dernier regroupement, la guerre au Soudan et en Égypte libre du califat, l'arrivée de l'Algérie dans le califat, les directions de la pleine victorieuse affaire de l'Oumma, la solution de la partie du modèle de la révolution sur la France et la Palestine, la rencontre de la sortie dans le planificateur des souverainetés de la récompense du sortant Maghreb, la Tunisie, le parti qui ouvre la sagesse de prédire la rencontre des montreurs de la grande capacité de punir l'ennemi de la grande compassion de El Mahdi. Ma terre est la longue direction, le choix de la pratique à l'unique terme de la prescription de la réglementation des paroles, faisant la direction des croyants au jour de la sortie du califat, au plus grand maître de l'ascension du voyage de la terre des prophètes, l'Afrique, la religion de la plume à l'évolution de l'esprit menant la totalité des blancs, noirs, arabes, jaunes, rouges, à la cité des chemins de la loyauté, notre temps le Mahadi, ma loyauté la sortie de la révolution du dernier libérateur de la grande victorieuse parole, allant du parti au futur des retours, à la guidée, la fin de l'injustice et la corruption, les mots de l'ordre, l'évidence de la coupe, le grand destin, la longue lumière des rouages de la cité du champ de la montée des intelligents à la place de la royauté plus guide que la souveraineté, les imams de la longue évidence, le choix de la grande évolution des plans, partant de la règle en Muntadhar. Je suis Muntadhar, la solution faite, la servitude finie, le choix de contempler la justice. La vraie certitude est dans le refuge contre la guerre de Gog et Magog. L'envoyé est la grande direction des peuples croyants de la justice au jour de la parole envoyée d'Allah sur la terre. Ma sainte parole est la guidance du souverain éternel de la voix du nom des guides. La servitude vous fait évoluer, musulmane, de la parole à la volonté de rendre justice sur le parti qui renforce l'adoration des plus grands musulmans. Les guides sont le souverain de la prophétie et le royaume de la grande sagesse du prophète, autour des siens les compagnons. L'inspiration reconnaît les traits de la sagesse et le royaume des bienfaits du Nabi. Les fondations regroupent le pilier de la révolution de mon peuple, et le soulèvement pour la croyance partout dans les cieux de la communication par la sagesse, la voix de la communication en moi, Mahadi, et la miséricorde, par la sagesse de prophétiser le conte de la prophétie et les éleveurs du jour dernier, la voix qui élève au plus grand sage la ville des compagnons des voix du présent de la guidée et l'amour d'Allah, les croyants en l'union de la famille des bien guidés Mahdi et le royaume de la paix du sage Allah, la guerre est le parti qui rend la foi plus croyante lorsque l'ennemi se rapproche de la grande miséricorde, la domination des amis de la volonté en Mustapha, et la délivrance des serviteurs de la religion soutenue pour les hommes en Imam Mahdi. Je suis votre imam si Dieu vous l'indique, je le veux et le crois. Les fondations par le temps de la religion sont les quatre bien guidés parfaits du Seigneur, les quatre parfaits, les musulmans, les imams, la miséricorde de Dieu, l'envoyé de la sortie de l'islam, l'effet du parti bien guidé par le fort raisonnement de la révolution, le combat par la grande Turquie, le choix de la souveraineté.
les règles de l'étendue de la royauté en Palestine, les histoires qui se terminent par la salutation à la dernière religion, l'éloge pour la puissance de la grande liberté du Nabi, la voix d'Allah, le retour à la seigneurie d'Allah, les grandes parties de la miséricorde alliant la guerre à la prophétisation du bienfait pour les jours de la fin de l'animosité et la rancune contre la face du sage dominateur des royaumes, le royaume de l'union de la Palestine et du peuple de la syrienne guidance des rois, le califat de la Turquie, la rencontre de la promesse des rasouls, de la longue direction du protecteur de l'Iran à la Turquie, des perfections de l'Iran à l'Irak, l'Iran à l'Irak, la destinée du groupe bien guidé des peuples, l'alentour de la parole du saint peuple de l'Irak à la Syrie et au grand califat de la mosquée de Palestine, le choix de la révolution des pays de la terre sur la grande Turquie, le chemin de la longue évidence des longs musulmans dans la reconnaissance du peuple, les longueurs de la ville des califes bien guidés, le jour de la venue des justiciers de la révolution, la présence de l'union de la récolte et du bien de la libération par l'État, le grand ressuscité, le royaume de l'évidence de la solution, le reconnaissant héritier, la liberté de grandir la maison sur la montagne des croyants, la grande gloire des nouvelles ascensions de la regroupée ville des saints, retour à la grande loi, le grand souverain de l'univers, du regroupement à la place du continent, des rassemblements de la ligne des villages, du temple de la récolte des peuples, le trône de la guidée, la victorieuse emblématique royauté des chemins de la louange de notre califat, l'émigré de la ville à la nation des rasouls sages de prédire la terre succédant la longue ville éternelle, l'éternel, la cause de la miséricorde, le chant de la planète des libertés, du rôle de la Syrie au dernier peuple de Turquie, des grandes apparitions de la guerre contre Rome, la mise en nous de la sainteté, notre dernier groupement, la guerre au Soudan et en Égypte, libéré dans le califat, l'arrivée de l'Algérie dans le califat, les directions de la pleine victorieuse affaire de l'Oumma, la solution de la partie du modèle de la révolution sur la France et la Palestine, la rencontre de la sortie du planificateur des souverainetés de la récompense du sortant Maghreb, la Syrie, le parti qui ouvre la sagesse de prédire la rencontre des montreurs de la grande capacité de punir l'ennemi, lors de la grande compassion en moi, Al-Mahdi, et vous, la terre qui est la longue direction, le choix de la pratique à l'unique terme de la prescription de la réglementation des paroles, faisant la direction des croyants au jour de la sortie du califat, au plus grand maître de l'ascension du voyage de la terre des prophètes, l'Afrique, la religion de la plume, à l'évolution de l'esprit menant la totalité des blancs, noirs, arabes, jaunes, rouges, à la cité des chemins de la loyauté, montant le Mahdi, ma loyauté, la sortie de la révolution du dernier libérateur, alliant la Syrie à la grande victorieuse parole, allant du parti au futur des retours à la guidée, la fin de l'injustice et la corruption, les mots de l'ordre, l'évidence de la coupe, le grand destin, la longue lumière des rouages de la cité du champ de la montée des intelligents, à la place de la royauté plus guide que la souveraineté, les imams de la longue évidence, le choix de la grande évolution des plans partant de la règle au Montadar, je suis Montadar, la solution faite, la servitude finie, le choix de contempler la justice. Bismillahirrahmanirrahim. On y va. Oui. Je suis ami de Jésus. Voilà, c'est tout le monde. En fait, je suis Jésus. Voilà. Je vais vous parler du game. Voilà. Ah, il va. Je suis Messie. Hein, je suis Messie. Je vais vous parler des croyances, des émiams. Et des évidences. Des évidences. Des évidences, voilà. Mes évidences, voilà. Jésus déjà est mon évidence. Et voilà. Le Messie, voilà. Je suis Jésus, le Messie. La vraie certitude est dans le refuge contre la guerre de Gog et Magog. Je suis l'envoyé de la grande direction des peuples croyant la justice du jour de la parole envoyée d'Allah sur la terre. La sainte parole de la guidance du souverain éternel, de la voix du nombre des bien guidés,
La servitude vous fait évoluer de la prière à la volonté de rendre justice sur le parti qui renforce l'adoration des plus grands musulmans. Les guides sont le souverain de la prophétie et le royaume de la grande sagesse du prophète autour des siens, les compagnons. L'inspiration reconnaît les traits, la sagesse et le royaume des bienfaits du messager. Je suis le messager dans les fondations qui regroupent les piliers de la révolution du peuple et le soulèvement pour la croyance partout dans les cieux par la communication de la sagesse. Oui, je me dis enfin, c'est bien. Est-ce que je vais me dire plus? Oui, je vais me dire plus. La voix de la communication en moi m'a dit et la miséricorde par la sagesse de prophétiser le camp de la prophétie et les éleveurs du jour dernier. La voix qui élève au plus grand sage de la ville des compagnons des voix du présent de la guidée. Je suis l'amour d'Allah, les croyants en l'union de la famille, en nous les méridis, et le royaume de la paix du sage Allah. La guerre est le parti qui rend la foi plus croyante lorsque l'ennemi se rapproche de la grande miséricorde. La domination de nos amis dans la volonté et la vie. Mustafa, la délivrance des serviteurs de notre religion soutenue pour les hommes et moi l'imam Mahdi. Je suis votre imam si le Dieu l'indique, je le veux et le crois. Les fondations pour le temple de la religion sont les quatre bien guidés parfaits du Seigneur. Les quatre parfaits sont les musulmans d'imam. La miséricorde de Dieu est l'envoyé à la sortie de l'islam. Les faits du parti bien guidé par le fort raisonnement de la révolution, le combat de la grande sagesse, le choix du royaume, les règles de l'étendue de la souveraineté, les histoires qui se terminent par la salutation à la dernière miséricorde de Dieu, l'éloge pour la puissance de la grande liberté du messager, la voix d'Allah, le retour à la seigneurie de Dieu, les grands partis de la miséricorde alliant la guerre à la prophétisation du bienfait, pour le jour de la fin de l'animosité et la rancune contre la face du sage dominateur des royaumes. Le royaume de l'Union de Palestine et du peuple de la syrienne guidance des Islams, le califat de la terre, la rencontre de la promesse des rassouls de la longue direction du protecteur de l'Iran à la Turquie, des perfections de l'Iran à l'Irak, l'Iran à l'Irak, la destinée du groupe bien guidé par les histoires, l'alentour de la parole du saint prophète de l'Irak à la Syrie au grand califat de la mosquée en paix. Et Iwa, le peuple de Palestine, le choix de la révolution des pays de la terre sur la grande raison du chemin de la longue évidence, des longs musulmans de la reconnaissance des peuples, les longueurs de la ville des califats estimés par le jour de la venue, les justiciers de la révolution, la présence de l'union de la récolte et du bien de la libération du prophète. Mon grand, je suis ressuscité, j'ai l'évidence de la solution. Reconnaissant et refus. La liberté de grandir à la maison sur la maison du prophète. Allez, va. Là, il est là. On était où? La grande gloire, les nouvelles ascensions de la regroupée ville des saints, retour à la grande évidence du grand souverain de l'univers. Le regroupement à la place du continent, des rassemblements de la ligne, des villages du temple de la récolte des peuples, le trône de la guidée, la victorieuse emblématique royauté, les chemins de la louange de notre califat, l'émigré de la ville à la nation des races sages de prédire la terre succédant la longue vie éternelle, l'éternel la cause de la miséricorde, les chants de la planète des libertés du rôle de la Syrie, au dernier peuple de la mosquée de la Turquie, lors de l'apparition, la grande guerre contre Rome, l'arrivée de l'Algérie dans le califat, les directions de la pleine victorieuse affaire de l'Oumma, la solution de la partie du modèle de la révolution sur l'islam et la paix. Palestine, la rencontre de la sortie du planificateur des souverainetés, de la récompense du sortant, état de la communauté du prophète. Ma ville, ma vie, la Tunisie, le parti qui ouvre la sagesse de prédire la rencontre des montreurs de la grande capacité de punir l'ennemi, la grande compassion de l'islam, elle m'a dit ma terre et la longue direction. Les croyants au jour de la sortie du califat.
Mon califat, le grand maître dans l'ascension du voyage de la terre des prophètes. Moi, l'Afrique, la religion de la plume à l'évolution de l'esprit menant la totalité des blancs, noirs, arabes et jaunes, la cité des chemins de la loyauté, notre temps, le bien guidé, Mehdi. Ma loyauté, la sortie de la révolution du dernier libérateur de la grande victorieuse parole, allant du parti au futur des retours de la guidée, la fin de l'injustice et la corruption. Les mots de l'ordre, l'évidence de la coupe, le grand destin, la longue lumière des rouages de la cité, du chambre de la montée des intelligents à la place de la royauté plus guide que la souveraineté, les imams de la longue évidence, le choix de la grande évolution des plans partant de la règle de Montadar, je suis Montadar, la solution faite, la servitude finie, le choix de contempler la justice. Barakallahu fik pour m'avoir écouté. Le pieux qui je se parle des pouvoirs, qui se voit passion de l'éternel. Avoir l'éternel me semble vous avez connu superposé le monde. Vous avez connu dans la religion Dieu, vous avez connu le bien guidé. Gardez, peut-être vous m'avez connu Dieu, ce messager de Radi. Dieu, ce que je fais. C'est mon état. Vous pouvez avoir des pouvoirs. La quantité. Est-ce qu'il y a un grand Dieu de la science que j'ai faite? Un grand Dieu qui sait voir le temps, qui sait promettre le plus grand, je te dis toujours le plus grand, qui évolue toujours avec les promesses qu'il a fait et qui est plus important que tous les autres que vous connaissez. C'est Allah, mon ami, qui est plus important. Il existe, il est le souverain du pouvoir. Esprit de vérité, je suis le temps. Il y a des capacités qui se développent dans les croyants, des nouvelles capacités, des capacités aussi qui existaient déjà, et des nouveaux pouvoirs comme des pouvoirs qui existaient déjà. Il y a donc des histoires qui se forment dans la religion, et des esprits aussi qui connaissent le grand Dieu qui donne à la religion son pouvoir. Voilà. Et ça concerne notre temps. Et après notre époque, voilà. Et ça concerne nos gens aussi, voilà, nos gens. Et ça concerne le peuple de Dieu, voilà. Les grands de cœur. Mais ce peuple, voilà, est finalement intéressant. Il est finalement conquérant. Dans la conquête, je cite encore Mustapha. J'ai raison dans peut-être l'illumination de la première Oumma. Cette connaissance donne raison à certains qui prédisent le pouvoir et d'autres qui amènent aussi notre temps à rencontrer toutes les nouvelles directions qui ont été faites sur la religion. Bientôt, la voix d'Allah est la plus élevée partout. Elle est un temps qui a été aplani pour que Dieu puisse faire sa volonté partout et qu'il puisse conduire tout ce qu'il veut. Le retour dans la religion, c'est le retour des grands et l'estime du plus expliqué des royaumes. Vous avez peut-être conscience du royaume et donc vous avez des esprits aussi de la même religion que vous, qui sont étudiés et qui sont aussi ramenés au temps de la royauté de Dieu. Et là, vous avez une explication du bon Seigneur qui explique pourquoi le roi est venu expliquer son royaume le centre et pour produire des esprits qui expliqueront aussi la volonté de Dieu. De la vérité. Chacun d'entre vous a différentes capacités selon ce que Dieu lui accorde et selon ce qui lui permet qu'il développe avec le pouvoir. Il y a dans ces termes de l'écrit des raisons qui forment toujours plus grandement dans sa fondation, les voies de l'islam. Le protecteur, l'islam sert à chaque fois comme la base dans la communication
dans le peuple du royaume d'Allah. Et c'est aussi une communication des versets qui sont parfois des chemins dans la guidée, comme des royaumes aussi, qui peuvent être décrits, qui peuvent être conquis, des royaumes qui peuvent être conquis. Et il y a beaucoup de royaumes qui peuvent être conquis. Et plus vous avancez dans la science qui est vivante, la science vivante, c'est en fait la science qui vit à travers des hommes. Des hommes qui peuvent en fait montrer pourquoi l'Umma est en fait une royauté, voilà, une royauté d'Allah, voilà. Et dans cette royauté, il y a une lumière. Une lumière, quand l'esprit a la lumière, il traverse tout le temps. Il fait aussi beaucoup de prédictions, parce qu'il a des visions, parce qu'il a des connaissances, parce qu'il amène le temps aussi d'une nouvelle idée de la religion. Il y a donc une conception dans le prophète qui était autant la première royauté dans le royaume. Et cette royauté apparaît aujourd'hui comme étant le Seigneur. Et tous les gens, comme les hôtes, places qui sont faites dans le royaume sont seulement la volonté du prophète d'Allah. Et ce prophète, il était messager. Et il prédisait que beaucoup arriveront dans ce royaume et connaîtront toutes ces prophéties et auront aussi volonté pour participer avec les autres musulmans à la dernière croyance dans le religieux. Voilà, cette dernière croyance, elle nous est connue par un temps tout simplement qui devient le futur temps. Voilà, et dans ce futur temps, vous avez une création et Dieu veut indiquer que cette création, elle est sainte. Elle veut indiquer qu'elle est sage. Elle est sage, cette création. Elle nous fait passer un nouveau temps qui a évolué et qui n'est plus le passé, voilà. Mais en fait, qu'on retrouve dans ce temps beaucoup de choses qui sont créées avec la miséricorde d'Allah et avec le prophète d'Allah, voilà. Et c'est pour élever votre science à la gloire d'Allah et aussi à la rencontre avec l'explication du plus grand. Dans cette condition, du plus grand, je fais bien de vous en parler de cette intelligence. La religion et du temple de la grande gloire d'Allah, le temple de la grande gloire d'Allah. Et qu'il fallait s'en prévenir. Allah a dit aussi qu'il y avait une région dans laquelle tout ça serait mentionné. L'échelle, je vous parle de l'échelle. Et tout ça serait promis. J'ai vu une échelle. En même temps que le royaume, il fait j'ai vu une échelle, voilà, qu'il me tourner montrait, qu'il toutes aussi. Les créations en fait, il m'a dit de faire à la seule disposition ce que je voulais de l'unique. En fait, l'État, l'unique est celui qui a la disposition pas, voilà, de la création. Mes condoléances, et en fait, d'abord. Hein. Il est l'origine il pas que vous soyez du créateur, voilà. Parce il est l'origine fait, qui a créé étudié, le et prophète, à la fin, trop gardé, et aussi qui a créé le roi, voilà. Qui a créé le roi. En fait, jamais il le scientifique, voilà, c'est gardé, le symbole gardé comme de messager, l'islam. Voilà. L'ordre, en fait, c'est l'islam, si c'est compagnon une question qui était dans posée à la royauté. Pour répondre. Allah, c'est l'ordre. Et vous n'avez pas et vu que j'étais comme la voilà. Sagesse et que parfois je faisais de vouloir un sens, en fait, de la communauté. Pour ne pas que ça se l'oumni, ça voilà, se couche par exemple tôt, voilà. De connaître l'oumni. Parce qu'en fait, trop de gens l'État, se couchent trop il est bien tôt, et à la fin, en fait, un moment, on a une vie, quand il hein, peut se développer, tout ça, et quand il peut s'étendre mais, en fait, sur, on se fait avoir sur la direction les théories, que on Allah se fait lui avoir sur les croyances, et bientôt, voilà. Il domine. Parce que les gens, ils sont tout le temps hein, dans la méditation, le ils sont Seigneur, tout le temps dans le super pouvoir. Il domine et en fait, vous la ne croyez parole pas au super pouvoir de Dieu. C'est pas tellement et comme il est vous capable pensez, hein, de disposer lui aussi des actes face que vous avez du sur pouvoir, vos sites. Voilà. Des jeux que l'État vous n'entend pas là, avoir voilà, peut-être le dans même vos jeux pouvoir vidéo,
C'est il y a en fait une logique dans le fait de conduire aussi, voilà. Au bon pouvoir là, je te parle, en fait, pour les bonnes raisons et pour la bonne voilà. Volonté et il y en a de Dieu. Plein, il y a plein de données. C'est comme ça. Qu'à dire le plus grand saint d'esprit est le bien guidé. L'ordre n'attend pas que vous restiez à vous le dire, mais que vous le deveniez. L'Oumma, s'ils le peuvent, feront les mêmes choix que nous le bien guidé. Sur la terre, vous honorez ces choix dans la réflexion que vous avez de tenir à votre choix. Vous serez bien guidé si vous tenez à votre choix. Et en fait, votre choix est très important pour vous. De manière que vous ne trompiez personne, mais que vous puissiez avoir le vôtre. Voilà. Et en fait, là est une connaissance d'être soi-même aussi, à soi, le bon parti. Voilà. Et on n'est pas forcément le seul hein, à avoir un parti. Mais quand vous êtes bien guidé, ce que vous avez finalement trouvé, l'alliance avec Dieu qui était son bien guidé. Voilà. Et on n'est pas sans se le dire que nous sommes aussi des bien guidés. Voilà. Et que nous connaissons aussi des bien guidés. Et en fait, connaître Dieu, comme le disait le prophète, hein, c'est le plus important. Voilà. Et finalement, c'est le connaître aussi comme le bien guidé. Si le prophète est le bien guidé, c'est que vous aussi, vous êtes les bien guidés parce que vous avez suivi le religieux de la prophétie du prophète et de Dieu. Voilà. Mais quel en est-il du plus grand parti qui va être formé et qui est en fait l'union après de la divinité avec le royaume? Et cette union, c'est à chaque fois la vie qui le donne comme étant la connaissance que Dieu fait pour un temps et qu'il fait aussi pour une communauté. Voilà. Dans cette communauté, nous avons donc la place du bienfait. Et Dieu augmente après ce bienfait et il fait travailler ça jusqu'à ce que vous ayez en fait connu quel était l'Oumma. Voilà, connu quel était l'Oumma. Ce que je veux dire, ne pas s'arrêter si vous êtes lancé et que vous y arrivez à finaliser l'entier royaume. Les esprits dans le royaume, ils apparaissent aujourd'hui. Ils apparaissent devant vous. Ils vous apparaissent devant vous et ils communiquent avec vous et ils sont capables d'œuvrer avec vous. Vous n'avez donc plus d'excuses pour ne pas œuvrer. Et vous n'avez non plus donc plus de faux ce direction pour dire que le royaume de Dieu n'est pas venu et que nous n'avons pas le moyen de le faire. Voilà. En fait, Dieu laisse des moyens tous les jours. Et en fait, il y a aussi effectivement une montée vers Dieu, des bonnes actions, une religion qui retient les bons, qui en fait ils transmettent voilà. La bonne parole dans la voie prophétique. Et cette voie, elle s'étend à toute la science qui est dans le royaume. Et dans ce royaume, il y a tout un ordre, voilà, tout un ordre. Et il y a toute une religion qui communique en fait entre les différents prophètes et qui communique après avec les imams et qui communique les maisons et qui communique la sagesse et qui communique même ce qui se passe parfois sur le trône, voilà. Et en fait, tout ça c'est référencé comme l'islam et c'est bien de se rappeler que c'est l'islam parce que c'est l'islam qui avait été annoncé comme étant ce royaume qui faisait tout ça et c'est aussi ce royaume qui fait gagner Dieu avec la progéniture. Et cette progéniture, elle est la pure prophétie. Ça veut dire la prophétie qui n'est pas altérée et qui n'est pas en fait un sujet. Voilà. C'est une prophétie qui est venue et donc qui se réalise. Après, les prédications dans la prophétie se réalisent dans la vie. Elles deviennent la vérité même pour après. Et les gens qui sont dans cette prophétie deviennent aussi
les attendus, ils deviennent les attendus. Et en fait, il y a effectivement dans cette relation du Messie beaucoup de temps qui est promis, voilà. Et en fait, tout le temps qui est promis, eh ben, il est en fait rapporté par le prophète et il est rapporté par les anges. Voilà, rapporté par le prophète et rapporté par les anges. Et en fait, c'est un peu doué qu'il faut être pour comprendre le prophète et les anges. Mais comment vous êtes sûr que c'est le prophète et les anges? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez ça, ce critère dans la prophétie et dans l'écrit de la prophétie, qui est un critère où en fait est la place du prophète, tout à fait. Même si vous rappelez cette place du prophète, l'écrit en fait destine la volonté de Dieu à celui qui parcourt la terre, voilà, et après qui fait miséricorde, voilà, qui fait miséricorde, comme celui qui domine, hein, qui domine et qui fait aussi par la miséricorde la justice, qui fait la justice. La justice et la miséricorde, et en fait, elle est bien liée à ce qu'on appelle notre communauté. Et dans la communauté, elle est un bienfait. Et ce bienfait, il est après transmis par le savoir. Il est transmis par le savoir. Et là, ce qu'on fait, c'est une transmission de savoir. Et en fait, à un moment donné, vous devinez que sous le ciel, il y a une transmission. Voilà. Et plus loin que cette transmission, il y a un parti. Voilà, il y a un parti. Après le parti, il y a une direction. Voilà. Dans cette direction, il y a un ordre. Un ordre. Dans l'ordre, il y a une royauté. Voilà. Et dans cette royauté, il y a une communauté. Voilà, une communauté. Arrivé à cette communauté, il y a un règne. Un règne, voilà. Et donc, il y a un pouvoir. Et dans ce pouvoir, il y a forcément votre intention. Et donc, venez chercher cette intention que vous aviez eue et vous retrouverez en fait le bien guidé. Voilà. L'ordre correspond à une connaissance. Voilà. Tandis que les imams correspondent à une communauté. Voilà. La prophétie, elle, correspond à une direction. Voilà. La divinité correspond à la source. Voilà, elle est la source, la divinité. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre source que Dieu. Voilà. Pour expliquer la prophétie, amener les imams de la communauté et retrouver l'ordre de la connaissance. Voilà, vous avez ça. La parole, elle est annoncée parce qu'il y a un prophète, voilà, qui revient par la volonté de Dieu. Donc, guidez-vous sur la volonté de Dieu et vous viendrez avec le retour du prophète prononcer la maison de Dieu et les croyants, voilà, qui ont cru en la dernière prophétie du livre, voilà, la dernière prophétie du livre. Et c'est intéressant de parler de la dernière prophétie du livre. Il y a donc un acte vers la prophétie qui est dans le livre, la dernière venue du prophète. Et donc il y a une dernière partie qui est cette cause, la cause du salam, la cause du progrès, le temps qui est venu par l'état du sud, le sud, voilà. Là, il est là, le sud qui est dans la même lignée que le royaume du bien guidé, qui est le royaume du bien guidé, tout à fait. En fait, le royaume du prophète, voilà. Et ce royaume explique le parti et il renforce notre aptitude à grandir l'Orient, voilà, à grandir l'Orient, et aussi à faire revenir avec le prophète les causes du parti. Dans cette cause du parti est la paix, par exemple. La paix sous le ciel, voilà, est en fait une religion qui a rétabli l'ordre.
et qui a ramené à la communauté du bien guidé Mahadi. J'ordonne qu'il y ait un parti qui soit fait pour cette cause. La paix, voilà, et l'ordre, voilà. Puis ensuite, je donne une raison pour que la connaissance soit restituée au temps où les imams font grandir avec la communauté l'Orient, voilà. Puis après cette restitution, je donne une direction dans le prophétique parti du prophète pour diriger la Oumma et rassembler sous le même drapeau les États et la communauté. Voilà, si c'est ça. Dans cette planification, il y a un Rasoul, Allah, bien guidé sur le parti du peuple. Le parti du peuple, la cause du fondateur. Le fondateur par la liberté. La liberté du progrès de la maison de Dieu au sein des partis qui formaient le bien guidé. Voilà. Puis l'alliance avec Dieu sur la prophétie dans le fondement de la croyance qui parle de la création du Mehdi. La création du Mehdi. Palestinien, ça veut dire que j'ai pris le dessus sur tout le monde. Je me suis pas retenu de prendre le dessus. Et en fait, ça arrive tout le temps. Voilà. Le continent, il est au courant que c'est à chaque fois responsable que je suis si responsable. Je suis un responsable. Je me retiens pas d'être responsable. Je pense que je suis responsable pour le prophète. Voilà. Je suis responsable pour le commandement. Voilà. Je suis responsable pour la vérité. Cette vérité, c'est Messie. Je suis Messie. Donc j'ai raison d'être dans la vérité. Pas loin de chez vous, il y a un Messie en fait. Il y a quelqu'un qui est Messie. Ben oui, qui est Messie, qui est Messie, qui est Messie. Mais c'est quelqu'un, Messie, c'est quelqu'un. J'ai pas osé le dire avant. C'est qui ces gens? C'est qui ces historiens? C'est qui ces mathématiciens? C'est qui ces scientifiques? C'est qui ces présidents? Ben voilà, tu m'as eu. Allez, voilà. Voilà, depuis longtemps, ce président me tourne autour. Le président là, de France, là, il me tourne autour depuis longtemps. C'est un président qui me tourne autour. Et aussi, le pape m'a tourné autour. Voilà, le pape m'a tourné autour. Le pape de l'Italie, là, oui, il m'a tourné autour. Je suis sûr qu'il le reniera, mais qu'est-ce que je peux y faire? Il a toujours quelqu'un pour dire et attester, vous comprenez, de ce que vous croyez même. Ben moi, c'est pareil, Mehdi, j'ai toujours quelqu'un pour attester ou confirmer ce que je crois. Toujours, j'ai quelqu'un, toujours. En direct, je te le dis, c'est pas faux ce que je te dis, j'ai toujours quelqu'un. Ça arrive tout le temps. Quant à les gens qui pensent que je ne suis pas protégé, c'est faux, j'ai beaucoup de gardiens. Et même en vérité, vous n'êtes pas si protégé, même comme vous le pensez. Hein. Vous n'êtes pas si protégé, même comme vous le pensez. Si on va loin dans le temps, vous pensez peut-être être une personne qui a existé. Vous pensez peut-être être une personne rare qui a existé. Une personne que vous vouliez être. Une personne qui vous destine le destin que vous voudriez maintenant. Mais c'est pas faux. C'est pas faux que les gens pensent comme ça, c'est pas faux. Mais qui sont ces gens en fait qui sont partie de l'identité du bien guidé? Bah alors, ce genre de personnes, bon, ce sont des prophètes, en fait, voilà. Mais qui habitent, en fait, quoi? Qui habitent, je pense, l'islam, voilà, qui habitent l'islam à un moment de la révélation, voilà. Et plus tard, qui font partie aussi des musulmans. Voilà comment j'ai conclu en cette histoire. Je domine souvent les pères, parce qu'en fait, il y a derrière ça une direction qui est plus honorante, mais forcément plus forte à un moment donné que les autres directions. Plus forte en
en Dieu, voilà, plus forte en Dieu. Dieu, en fait, est comme un père, sauf qu'il est trop Dieu. Donc, en fait, vous finissez par dire que c'est Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu. Même si vous l'avez déjà entendu comme un père, voilà, tout à fait. Il est, en fait, d'abord une divinité. Voilà. Donc, vous dites, en fait, qu'il est le Dieu. Tout simplement le Dieu. Et vous êtes plus proche de Dieu, même encore, qu'un père. Voilà. Ça, c'est bien dit concernant les prophètes. Vous êtes plus proche de Dieu qu'un père. Voilà. Pas loin du prophète, vous êtes plus fort que Dieu qu'un messie. Voilà. Vous êtes plus grand que Dieu qu'un état. Dieu, tu es plus grand qu'un imam. Voilà, tout à fait. J'espère progresser, voilà, dans toutes les directions. Je vais essayer de faire quelque chose, voilà. Protéger les vidances pour l'instant, qu'il y a une circulation actuellement dans le royaume, voilà, de toutes ces choses, mais que cette circulation n'est pas forcément la circulation de l'information partout dans le royaume, voilà. Elle est, je pense, une communication dans le royaume, voilà. Et je suis parfois tenu au secret de ne pas révéler ce que j'ai, voilà. La vérité est qu'il y a plusieurs formes de prophètes qui sont messies. Et plusieurs formes de rasoul, voilà. Qui sont en fait des prophètes de Dieu. Qui sont des prophètes de Dieu, ben voilà. Et là, vous apprenez quelle était l'Oumma. Quelle était cette Oumma, voilà. Une Oumma où il y avait une circulation et où cette circulation était faite aussi pour aborder Dieu sur différents prophètes et différentes guidées et ensuite étudier notre prophétie jusqu'à la fin sur cette relation entre les prophètes, Dieu et le messager de son prophète. Et c'est le secret du parti. Jésus, messager de Dieu. Voilà, c'est le secret du parti. Et est aussi messie de vérité. Voilà, vous me dire pourquoi messie de vérité. Messie de vérité parce qu'il est tout à fait l'esprit de vérité. Voilà. Et il est aussi la rencontre, voilà, avec les autres messagers. Mais il est davantage le messie que les autres messagers. Voilà. Donc on dit que c'est le messie de vérité. Je rajoute qu'il est brun, voilà, et qu'il a une forme, voilà, qu'il a une forme. Palestinien, ça veut dire que j'ai pris le dessus sur tout le monde. Je me suis pas retenu de prendre le dessus, et en fait, ça arrive tout le temps, voilà. Le continent, il est au courant que c'est à chaque fois responsable que je suis si responsable. Responsable, je me retiens pas d'être responsable. Je pense que je suis responsable pour le prophète, voilà. Je suis responsable pour le commandement, voilà. Je suis responsable pour la vérité. Cette vérité, c'est Messie. Je suis Messie, donc j'ai raison d'être dans la vérité. Pas loin de chez vous, il y a un messie, en fait. Il y a quelqu'un qui est messie. Ben oui, qui est messie. Mais c'est quelqu'un. J'ai pas osé le dire avant. C'est qui ces gens? C'est qui ces historiens? C'est qui ces mathématiciens? C'est qui ces scientifiques? C'est qui ces présidents? Ben voilà, tu m'as eu. Allez, voilà, donc plus longtemps, ce président me tourne autour. Le président là de France, là, il me tourne autour depuis longtemps. C'est un président qui me tourne autour. Et aussi, le pape m'a tourné autour. Voilà, le pape m'a tourné autour. Le pape de l'Italie, là, oui, il m'a tourné autour. Je suis sûr qu'il le reniera, mais qu'est-ce que je peux y faire? Il a toujours quelqu'un pour dire et attester, vous comprenez, de ce que vous croyez même. Bah moi c'est pareil, Mehdi, j'ai toujours quelqu'un pour attester ou confirmer ce que je crois. Toujours j'ai quelqu'un, toujours. En direct, je te le dis, c'est pas faux ce que je te dis, j'ai toujours quelqu'un. Ça arrive tout le temps. Quant à les gens qui pensent que je ne suis pas protégé, c'est faux. J'ai beaucoup de gardiens.
Et même en vérité, vous n'êtes pas si protégé, même comme vous le pensez. Hein. Vous n'êtes pas si protégé, même comme vous le pensez. Si on va loin dans le temps, vous pensez peut-être être une personne qui existait. Vous pensez peut-être être une personne rare qui existait. Une personne que vous vouliez être. Une personne qui vous destine le destin que vous voudriez maintenant. Mais c'est pas faux. C'est pas faux que les gens pensent comme ça, c'est pas faux. Mais qui sont ces gens, en fait, qui sont partis de l'identité du bien guidé? Bah alors, ce genre de personnes, bon, ce sont des prophètes, en fait, voilà. Mais qui habitent, en fait, quoi? Qui habitent, je pense, l'islam, voilà, qui habitent l'islam à un moment de la révélation, voilà. Et plus tard, qui font partie aussi des musulmans. Voilà comment j'ai conclu en cette histoire. Je domine souvent les pères parce qu'en fait, il y a derrière ça une direction qui est plus honorante, mais forcément plus forte à un moment donné que les autres directions. Plus forte en Dieu, voilà, plus forte en Dieu. Dieu, en fait, est comme un père, sauf qu'il est trop Dieu. Donc, en fait, vous finissez par dire que c'est Dieu, voilà, parce que c'est Dieu. Même si vous l'avez déjà entendu comme un père, voilà, tout à fait. Il est, en fait, d'abord une divinité, voilà. Donc, vous dites, en fait, qu'il est le Dieu, simplement le Dieu. Et vous êtes plus proche de Dieu, même encore, qu'un père, voilà. Ça, c'est bien dit concernant les prophètes, que vous êtes plus proche de Dieu qu'un père, voilà. Pas loin du prophète, vous êtes plus fort que Dieu qu'un messie, voilà. Vous êtes plus grand que Dieu qu'un état. Dieu est plus grand qu'un imam, voilà, tout à fait. J'espère progresser, voilà, dans toutes les directions. Je vais essayer de faire quelque chose, voilà. Protéger les vieilles danses pour l'instant, qu'il y a une circulation actuellement dans le royaume, voilà, de toutes ces choses, mais que cette circulation n'est pas forcément la circulation de l'information partout dans le royaume, voilà. Elle est, je pense, une communication dans le royaume, voilà. Et je suis parfois tenu au secret de ne pas révéler ce que j'ai, voilà. La vérité est qu'il y a plusieurs formes de prophètes qui sont messies. Il y a plusieurs formes de rasoul, voilà. Qui sont en fait des prophètes de Dieu. Qui sont des prophètes de Dieu, ben voilà. Et là, vous apprenez quelle était l'Oumma. Quelle était cette Oumma, voilà. Une Oumma où il y avait une circulation. Et où cette circulation était faite aussi pour aborder Dieu sur différents prophètes. Et différentes guidées, et ensuite étudier notre prophétie jusqu'à la fin. Étudier notre prophétie jusqu'à la fin. Sur cette relation entre les prophètes, Dieu et mes sujets de son prophète. Et c'est le secret du parti. Jésus, messager de Dieu. Voilà, c'est le secret du parti. Il est aussi messie de vérité. Voilà, vous me dire pourquoi messie de vérité? Messie de vérité, parce qu'il est tout à fait l'esprit de vérité, voilà. Et il est aussi la rencontre, voilà, avec les autres messagers. Mais il est davantage le Messie que les autres messagers, voilà. Donc on dit que c'est le Messie de vérité. Je rajoute qu'il est brun, voilà. Et qu'il a une forme, voilà, qu'il a une forme. Pouet pouet sur les trésors qui sont à l'heure, hein, à l'heure du rendez-vous avec le Mehdi. Pouet pouet sur les métadonnées, les méta-réseaux qui sont en cours et qui font tous l'union plutôt que l'unique. Pouet pouet sur mon réseau qui est rare et qui est davantage celui qui unit. Plutôt que celui qui unit tout ce qui existe. Mais donc, qu'est-ce qu'il unit? Il unit tout dans le royaume. Pouet, pouet. Comment il a fait pour faire ça?
mon réseau même qui existe dans les causes. Votre cause est aujourd'hui l'ensemble. Votre direction, poète, poète. Votre maison, poète, poète. C'est l'univers peut-être qui est quelqu'un avec le Mahdi. Voilà. Lorsque je bondis comme un libérateur, voilà. J'ai dit c'est trop. Comme un libérateur, c'est trop. Vous donnez à chaque fois le Mahdi. Hein? Sans se figurer, ce n'est pas tout à fait ce que vous direz du Mahdi. Donc pourquoi je le dis si vous ne pouvez pas le redire? Peut-être parce que ce n'est pas vous, tout simplement, qu'il le faites comme ça. Ou bien parce que peut-être le Mahdi n'a pas tout à fait l'idée de départ que vous avez quand vous pensez au Mahdi, puisque c'est le Mahdi. Donc en fait, je suis cette idée de départ et je vise quelque chose. Je donne un grand droit, voilà, qui permet à la fois de rassembler et aussi d'extraire la communauté du vaste qu'on lui propose tous les jours pour l'amener au vrai royaume, voilà, qui est saint, saint, saint. Dans cette distinction que je fais, il y a la vraie valeur. Elle n'est pas forcément celle qu'on vous propose tout le temps, qui n'est pas honnête, qui est injuste. Elle est en fait une valeur de justice. La valeur de justice est le peuple, tout simplement. Le peuple qui a un droit de Dieu. Vas-y, tu peux m'avoir. Tu peux m'avoir. L'ancienne prophétie mettait en scène beaucoup de messagers. Oui! Celle-ci est beaucoup plus inspirée, mais tentée à un moment donné par l'État. Bon, elle est tentée par l'État, parce que l'État la veut, et l'État veut faire quelque chose avec. Donc en fait, on a toute cette prophétie en même temps. Toute cette prophétie dans les connaissances. Toute cette prophétie dans la religion. Quelle est cette maison, maintenant, de l'État? Ben, c'est Moussa, la maison de l'État. Moussa, Moussa, la maison de l'État, Moussa. Moussa, imam. Imam Moussa, voilà, imam Moussa. Mais cette étoile est passée. Cette étoile est passée, voilà. Il y a maintenant Imam Mustapha. Mais cette étoile, Imam Mustapha. Cette étoile, voilà. Cette étoile, ouais, cette étoile d'Imam Mustapha. La première étoile hein, qui m'a surpris, celle-là, qui m'a surpris. En fait, la figure de conquête, oui, c'est celle-là. C'est l'Imam Mustapha, c'est la figure que j'ai donnée à la conquête. Mais dans l'Imam Mahdi, l'Imam vérité, tout simplement, de vérité, l'imam de vérité. Nous publions beaucoup d'informations, beaucoup de vérités. Nous faisons beaucoup de connaissances, beaucoup de raisonnements sur le rassemblement et sur la cause. Nous dominons un temps, c'est tout. Hein. Ne nous en voulez pas, voilà, nous faisons le temps. Le temps veut. Pas tout le temps la raison, c'est tout. Tu dois chercher peut-être plus après le temps pour avoir la raison de ce temps-ci. Aïe, voilà. Tu la cherches, la sagesse, après avoir eu connaissance. Bien voilà. Tu deviens un peu plus sage et tu as directement l'éclair d'Allah, comme elle appelle ça. L'éclair que je ne suis pas de ce temps, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas d'ici, des paroles, voilà. Je suis plus grand, voilà. Je suis de l'autre monde, voilà. Je suis de l'autre parole. Je dois faire mon temps, mais je dois leur dire, c'est pas votre faute, voilà, vous n'êtes responsable de rien, c'est moi le grand responsable, c'est moi le grand saint, et même je peux me dire que ce n'est pas votre problème, ce n'est pas à vous de le dire, voilà. Maintenant, je passe à autre chose, je finis avec les sacrés, je finis avec les sages, je fais apparaître la maison de Dieu, tout simplement, je fais apparaître la maison de Dieu. Un spectacle, ce n'est pas ignorant. On fait apparaître la maison de Dieu, on fait apparaître des miracles, on fait apparaître des commandes. Des commandements, voilà, de Dieu. Bon. Allez, le président peut apparaître, peut apparaître. Bon, le président est apparu. Là, je fais le président. Merci d'avoir fait le président. Ouais, je vais mettre un temple quelque part. Nous reprenons la guidée sur le Messie, voilà, sur les contrefaçons,
Elles sont évidemment en fait des fausses identités ou des fausses directions. Voilà. À chaque fois, c'est reprendre par exemple quelque chose qui existe déjà et le refaire avec une autre identité et finalement qui coûte peut-être moins cher, tout à fait, ou qui est en fait plus diffusé quelque part dans un endroit à plus de personnes sans que ça en fait se sache partout et sans que ça ne soit forcément obligé d'être la vraie identité et la vraie connaissance. Voilà, bon, c'est pour vous dire la contrefaçon. Vous savez ce que c'est dans les marques, mais est-ce que c'est vis-à-vis du Mehdi, est-ce que vous savez ce que c'est? Tout simplement la personne en fait que je suis, par exemple. En fait, si un autre veut faire un Mehdi par exemple et qu'il commet une contrefaçon, ça veut dire qu'en fait il prend tout le temps de moi Mehdi et il se fait Mehdi par exemple, tu comprends, voilà. Ensuite il fait une contrefaçon où il dit par exemple comme un Mahdi, ça scène, tu comprends, ou bien sa fonction. Et je te dis, même si ça arrive, ça ne va pas me surprendre. Voilà, ça ne va pas me surprendre, la contrefaçon ne va pas me surprendre. Ce qui me surprendrait, ça serait peut-être la fin des jours. Voilà, la fin des jours. Mais en fait, je dis ça dans le cadre de mes fonctions. Voilà, tu peux pas voir. Dans le cadre de mes fonctions, je dirais c'est dans le cadre de mes fonctions. Là, il a. Dans le cadre de cette fondation, le fondateur, mais c'est l'explication de toutes les prophéties, de toutes les connaissances, de toutes les religions. Voilà, toutes les religions. Un exemple de cette explication. La porte qui était en fait ouverte, elle y était la bonne nouvelle de l'envoyé de Dieu. Derrière cette bonne nouvelle, il y avait toutes les explications, toutes les prophéties qui comptaient, et aussi toutes les directions qui étaient alors les religions, voilà. Et en fait, cette porte, elle avait été ouverte lorsqu'on a ouvert l'appel de Dieu, voilà, par la croyance dans le prophète, vous vous souvenez. Et aussi quand on a ouvert après le livre de Dieu, par les grandes directions de la souveraineté et les grandes paroles concernant le royaume. À ce moment-là, la porte, elle s'est ouverte. Puis en fait, à un moment donné, elle a laissé rentrer certains, voilà, pour qu'ils croient dedans à la prophétie et qu'ils soient après dans le royaume. Puis en fait, après, il y a une descente tout le temps qui est annoncée. Et des choses qui viennent de ce royaume, de la part de Dieu qui viennent, et qui entre en fait, à travers même la même direction qu'on est entré, qui entre et qui produisent beaucoup de temps, la prophétie, voilà. Et dans ces explications, il y a le reste des prophètes, voilà, le reste des prophètes, qui sont tous les envoyés aussi, tous des biens aussi guidés, Quelle est cette nation qui a tout ça, voilà. Cette nation, sous le soleil, j'ai nommé la paix Palestine. Arrête, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Si tu me réserves un morceau peut-être de la Palestine, je dirais oui. Mais alors à qui je m'adresse là? Au messager. Ah, le messager, oui. Oui, un bout de la Palestine. Mais en fait, la Palestine, effectivement, n'appartient pas à... appartient à ceux qui y vivent, mais je dirais en fait certains disent qu'elle est un peu à tout le monde, la Palestine, voilà. Mais dans la fondation, c'est un peu faux quand même, hein, qu'elle est à tout le monde, c'est un peu faux, parce que en fait elle n'est pas en fait l'histoire de tout le monde, par exemple. Non, elle n'est pas l'histoire de tout le monde, tout à fait. Elle n'est pas non plus la religion de tous. Voilà, la religion de tous. Elle n'est pas non plus la parole de tous. Ben voilà. Donc, le morceau du messager, ça c'est parce que le messager, il est profondément lié à la Terre Sainte. Voilà. Et il est lié depuis le commandement de Dieu, qui lui est tenu d'aller en Terre Sainte. Voilà. Il est tenu d'aller en Terre Sainte, il est tenu d'être là-bas avec les.
les croyants, et aussi il est tenu d'être à la maison de Dieu avec les croyants, voilà. Et en fait, ce n'est pas que pour ça, c'est aussi pour représenter, voilà, représenter. Salut, voilà. Quand je fais l'imam, j'exprime le salut, voilà. Vous demandez si c'est un tort, je vous dis en fait, c'est la voie du salam, c'est la voie de la guidée, c'est la voie de la vraie volonté. Et il n'y a pas d'autre volonté pour moi que cette volonté que je fais, voilà. En dehors d'Allah, d'ailleurs, il n'y a pas d'autre volonté que Dieu fit, voilà. Et je vais te dire pourquoi. L'unique royaume est en fait une parole de Dieu qui annonçait l'islam comme la valeur du Dieu unique dans l'unicité, dans l'unité, même l'union, même la communauté, même la connaissance, même la dernière connaissance de Dieu, voilà, tout à fait. La dernière connaissance de Dieu, il faut espérer un spectacle. Voilà, il faut espérer un spectacle. Il faut espérer un spectacle. Il faut espérer la plus grande connaissance qui existe. Voilà. J'espère la dernière connaissance, la plus espérée, la plus attendue. Voilà. Dieu aussi qui est tout le temps attendu. Dieu qui est attendu, Dieu qu'on adore parce qu'il est attendu. Voilà. Bon. Ah, Jésus, arrête de me charrier d'être lui. C'est bon, il arrête de me charrier d'être la personne qui arrête de te charrier. Combien de temps mettez-vous pour vous développer? Avez-vous suffisamment de temps pour vous transmettre l'adoration? Voilà, transmettre l'adoration. J'adore parler de ça pour se transmettre l'adoration, j'adore. En fait, on se transmet de l'adoration et on se transmet donc de la foi. Voilà, de la foi, c'est vrai. Et cette transmission de foi, elle est tout le temps la bonne nouvelle. Parce qu'elle permet tout le temps de connaître l'Umma. Là, je dois m'arrêter en face des gens, voilà, en face des gens, je dois m'arrêter, voilà. Si vous avez été le courage, vous serez peut-être calculé après. Vous serez calculé sur la croyance, voilà. Si vous avez été l'islam, vous serez complimenté sur la venue du prophète, voilà. Sur l'état du messager, vous êtes Mehdi, c'est bon, je l'ai cru. Voilà, je l'ai cru. J'ai juste préféré l'autre en fait que vous à un moment. Pour savoir pourquoi il était si con de vous voir tout le temps aussi et de faire la prophétie. Et en fait, j'ai dit, c'est pas con ce qu'il fait. Ou c'est moi qui suis con de penser que c'est pas con. Il me demande si c'est vraiment con. Je dis qu'il y en a qui ont éclairci le chemin, même du royaume, hein, pour le prophète, oui, et pour l'ensemble, voilà. Et à un moment donné, c'est donner la vraie direction, effectivement. Voilà. Et la vraie direction, on rappelait avant l'écart qu'il y a parfois, voilà, entre deux relations, tout à fait. Il y a aussi parfois l'élévation tout simplement de la volonté qui devient beaucoup plus grande, voilà, que toutes les autres volontés. Et ça, vous connaissez aussi, c'est la puissance, voilà.
derrière l'État, il y a le prophète. Lui, le prophète, a la puissance, sachez-le. Il a la puissance et en fait, il a forcément aussi votre conscience un moment pour savoir pourquoi il est votre prophète. Voilà. Moi, je sais pourquoi à un moment je suis votre imam. Voilà, en fait, je suis votre mahdi. Voilà, je le sais à un moment. Mais en fait, derrière l'homme, il y a souvent beaucoup de prophètes. Oui, vous avez compris. Derrière un mahdi, il y a beaucoup de livres qui sont écrits par des prophètes. Voilà. Derrière l'accomplissement, il y a beaucoup de temps et parfois peu d'explications pour les faire. Le Mahdi est donc venu pour vous expliquer tout du livre des prophètes et aussi vous renseigner sur la vraie nature du prophète. Inch'Allah, voilà. Si vous ne comprenez pas que c'est une transmission de la part du prophète. Et il y a une différence entre vous et le Mehdi. Mehdi a compris que c'était une transmission du prophète. Vous n'avez pas compris que c'était un message. Non. Vous pensez que c'était une simple élucidation ou une simple connaissance. Mec, réveille le Messie. Réveille le Messie qui s'endort. Il s'endort. L'ordre du Messie, oui, l'ordre du Messie, qui est l'ordre aussi de la conquête, qui est l'ordre du messager, qui est l'ordre des peuples, qui est l'ordre des souverains de la parole, qui est l'ordre des successeurs dans l'héritier de la prophétie, qui est l'ordre de la parole du prophète, qui est l'ordre de la succession du Mehdi, qui est le dernier ordre à habiter les peuples, qui est dominé par l'État, ben voilà. Un moment, puis un moment, le dominateur de l'État. Oui, c'est comme ça. L'État, mec, n'admet pas qu'il y a un dominateur. Un moment, l'État accepte, voilà. Le serviteur, c'est des serviteurs. Enfin, tu dis c'est des serviteurs. Un moment, c'est des serviteurs, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? En face de l'esprit. Voilà. En face de l'esprit. Mais je parle de même du Mehdi, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? À un moment donné, ils tirent vers le Mehdi. À un moment donné, ils prennent sur eux le Mahdi, voilà. Puis après, ils disent, c'est pas la peine, c'est déjà le Mehdi. Voilà. Donc, c'est pas la peine de me tenir près de toi tout le temps, hein. Même si tu as besoin qu'on le sache, voilà. Je préfère, à un moment donné, élever la moralité. À savoir, qu'est-ce que nous avons toujours cru, voilà. Nous avons toujours cru dans le bienfait. Et cette parole du messager sort comme étant le temps où on est libéré. Le village, pour parler du village, il y a une création. Il y a... Arrête, c'est le M-Sec. M-Sec. Il y a une création en effet, et c'est le village en fait qui est créé de la communauté. Et en fait, c'est le village même de l'État. Voilà, l'État, on peut aller loin avec ce village parce que c'est très grand dans la prophétie du prophète, c'est très grand. Ce village, en fait, qui est une vision aussi. Une vision du paradis à un moment donné. Et en fait, on se demande pourquoi il y a ce village au milieu, voilà, de notre communauté. Et on veut savoir pourquoi on est aussi cette communauté. Bon. Le village en fait, l'ordre qui est établi est symbolisé dans ce village, voilà. Et aussi l'estime derrière les prophètes sont envisagés derrière les mets et dit voilà, là vous allez plonger peut-être ou vous allez induire en conscience l'autre, voilà, pour qu'il sache de quoi il s'agit sur l'état du bien guidé, l'état qui mène à toutes les ressources, hein. L'état qui mène à toutes les ressources, à toutes les ressources, à toutes les ordres, voilà, et à toutes les connaissances. Bon, ordre, ressources, connaissances, habitation, travail, communauté, religion, royauté, divinité, ordre de la succession, ordre du bien guidé, ordre du bien fait, le faire, la croyance. Le faire, l'outil de l'intelligence qui mène à la réalité, l'ordre du peuple, l'ordre des sages, l'ordre des conquérants dans le modèle du peuple ancien qui est devenu saint dans sa prophétie, l'ordre des Shua,
du guide, l'ordre du bien guidé, l'état du Père sans prophète, le temps du Père sans Rasoulallah, le royaume du Seigneur, l'habitation du bienfait de l'état prophétisé dans le monde, dans l'état promis, l'état producteur de sa rencontre, façonneur de sa royauté, perce la connaissance, persévérant dans l'outil de sa maison, les connaissances productrice de son peuple sont l'état providence. Les textes de prophètes, les tures promises, voilà. L'ordre du Keim, l'ordre de la fin des jours, l'ordre qui met fin au fitna, l'ordre qui met fin aux collaborations des collaborateurs de l'état mondial. Oui, bravo. Sur cet état qui est mondial, la fin des collaborations en effet, parce qu'elles induisent trop d'associations. Et au final, il y a trop de péchés qui s'y produisent à la fin. Ben oui, trop de péchés. Trop d'associations, trop de péchés, parce qu'il y a trop de péchés à cause de l'associé à chaque fois que fait cet état. Voilà, cet état fait tout un associé. Et en fait, ça devient pesant à la fin. Pesant, cet associé devient pesant. Et en fait, comment deviner qu'en fait, son piège à cet associé, c'est le monde. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est son seul piège à un moment donné parce que vous n'arrivez pas à le voir et vous ne savez pas où il est. Donc vous vous dites que c'est l'état, tout simplement, qui est comme ça. Donc il n'est que l'état, il n'est qu'un état, il n'est même pas une vraie personne, il n'est qu'un état. Puis vous finissez par découvrir qu'en fait il y a vraiment une personne et que ce n'est pas qu'un état, c'est quelqu'un qui connaît en fait le monde, voilà. Et pourquoi est-il encore là, voilà, vous comprenez? Bon, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas lui qui est là, hein? C'est la connaissance qui est là, hein? Mais non, ce n'est pas vrai. Soit vous avez la connaissance, soit vous dites j'enseigne par exemple, voilà, au monde des choses de du peuple qui fait reprendre de la musique. J'ai aimé cette maison et j'ai voulu représenter Dieu. Je n'ai pas voulu tout y voir. J'ai préféré avoir un peu de vérité à la fin des jours. J'enseigne que le prophète est en fait le scientifique. Je suis aimé de lui-même et je suis le premier homme de la religion. J'enseigne toujours la guider comme le renfort à toutes les œuvres. Je suis la main droite d'Ali, le premier spectacle de la maison, la dernière mission de la religion. J'enferme aussi les Gog et les Magog. Je suis le premier ordre de Dieu. J'enseigne l'ouverture de la Bible comme du Coran. Je suis l'allié des 300 histoires de la paix. J'enseigne la bonne révélation. J'ai deux temps dans les corps. Dans les cordes du silex. Le silex de la paix. Dans cette paix, je veux descendant. Descendant du messager. Je veux que le monde m'écoute. Le prophète est Mustapha dans la descente. Prophète, écoute cette vérité. L'État n'enseigne pas un seul retour, mais ton retour pour tout le temps, de tous les prophètes. Voilà Ryan, c'est moi qui réponds comme ça tout le temps. Ils ne m'écoutent pas assez parce qu'ils ne veulent pas l'écouter, ce Messie. Ils préfèrent écouter un Messie qui n'est pas libéral. Mais qui est le retour, voilà. Sur ce retour, qu'il n'est pas l'islam, mais qu'il y a un autre messie.
Reysa, qu'était l'islam? Reysa, qu'était l'islam? Reysa, qu'était l'islam? Qu'était le retour du peuple? Qu'était la dernière communauté à vivre dans les prophéties? Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Reysa? Seul le Messie? Non. Seul le peuple? Oui. Mais le prophète, qui n'entendait rien. Qui ne savait rien. Bravo mec, bravo d'avoir fait le parti, de faire un seul parti. Voilà. Pour le Messie qui n'enfermait personne, voilà. Qui n'était pas une autre personne que le bien. Qui entendait... Allez, va. Bon, comment je fais, effectivement, pour prononcer ces paroles qui sont bien guidées, ben en fait, il y a des apparitions devant moi et il y a effectivement quelque chose que vous ne voyez pas et que moi je vois. Il y a aussi une raison de Dieu que j'ai et que vous écoutez maintenant, voilà. En fait, cette raison, c'était le calife et en fait, très écouté ce calife. Hein, je suis très écouté pour l'instant et en fait, ça part pas seulement du livre, hein, ça part de toutes les structures existantes qui sont commandées, voilà. Et en fait, du commandement, j'en parle, hein, du premier commandement, hein. De la première Oumma, voilà. Du premier Rasoulallah, voilà. C'est cette prophétie que le premier Rasoul, qui est le dernier envoyé. Le bien guidé, voilà, le bien guidé. Bon. Oui, la fortune, je la veux. Oui. L'explication aussi, je la veux. Sur Mehdi, je la veux. Le prophète parfait. Mais vas-y, le prophète parfait. Dit qu'il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Oui, je sais. Alors, tu sais qu'il n'y a pas de raison. Tu sais que c'est un plagiat un petit peu du prophète. C'est un plagiat un petit peu du prophète. Quoique, tant que vous n'avez pas vu le prophète dire la parole lui-même, hein, vous dites que c'est Mehdi, hein. Vous dites pas que c'est un plagiat du prophète. Je vous explique pourquoi. Qu'a dit le prophète? Mais je vous ai commandé des choses. Vous savez quoi dire? Ah, j'ai compris. Là, j'ai compris. Donc, ce n'est pas un plagiat, j'ai compris. Et je vous explique, c'est pas une blague. Là, c'est l'annonce du Messie. Il n'y a pas d'autre annonce. Voilà. Je suis pas encore sur une navette à vous l'expliquer. Il n'y a pas de Messie là, voilà. C'est un Mehdi seulement, voilà, un Mehdi seulement. J'explique la prophétie du livre. Le rôle du Mehdi est en fait de rapporter l'imam et de retourner à la communauté. Le livre. L'ordre du prophète est de restaurer la maison du prophète et de redonner à l'imam Mehdi le gardien du temps. Voilà, ce gardien est l'omniscient. Voilà. Il est le premier à arriver de lui-même, à restaurer toute la prophétie. Le livre qui est la prophétie, l'état qui promet l'imam, Mahdi. Dans cette prophétie, j'enseigne le responsable. Le responsable de l'islam. On enseigne cette responsabilité alors qu'il y a devoir des jours, il y a des jours sur lesquels Dieu est monté, sur lesquels Dieu résonne. La voix que Dieu emploie pour ses causes sont des milliers et des milliers de prophètes qui l'accompagnent toujours et qui lui demandent toujours qu'est-ce qu'il croit. Voilà. Dieu est si miraculeux qu'il en arrive à donner 1 000 milliards parfois, voilà, de justice. Ben voilà, sachez-le. L'ordre que nous donnons est un temps où nous ordonnons toutes les ordres. Nous avons une main qui est plus grande que l'atmosphère. Notre guidé est le Messie Jésus. Hey.
Mécis. Voilà, elle l'a fait apparaître. Ouais. Ouais. Ô Jésus, fils de Marie, permets-moi d'être à tes côtés durant ce temps. Bravo, ben il t'a permis d'être à ses côtés si tu ignores l'autre. Oui, je peux ignorer l'autre, c'est bien. Tu me vois vraiment? Je crois te voir, oui, c'est bien. Tu as cru me voir, donc tu as cru. En fait, tu vois quelque chose. Oui, je vois quelque chose. Lol, je vois quelque chose. Ah, voilà. Ah, tu vois. Ouais. Ouais. On m'a dit que c'est bon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est... En fait, c'est un petit geste qu'il te fait du bout du doigt, c'est tout. En fait, le Messie, voilà, le Messie. Et voilà. Et ça, voilà. Ah, ça m'a plu. Là, ça m'a plu. Là, j'ai rien. Tu me demandes de ce que le messager est apparu. Là, je pense à mon maître. Voilà, rien. Est-ce que tu es apparu? Je suis pas apparu, c'est l'autre qui devait apparaître. Rissa, est-ce que tu es apparu? Il est apparu. Voilà, il est apparu. Et le Mehdi, il est apparu. Là, je te tiens dans mes bras. Voilà, tu l'as tenu dans tes bras, donc il est apparu. Aïwa. Aïwa. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, ça fait des heures que je vais bien, ça fait des heures. Voilà, ça fait des heures que je vais bien. Mec, mets ta vie en jeu tout de suite. Directement. Ma ville est la première royauté. Mon nom est le tyran ou le bien guidé. La connaissance est le sage ou celui qui défend le droit. Ben voilà, là tu vois. Derrière cette reconnaissance, il y a forcément une parole du monde. L'envoyé du jour interdit. Nous sommes du messager. Nous sommes du prophète.